تبسمت في مغناك وتسامت الأخلاق في مرآك ومضى العفاف يغث فيك أريجه حتى انتشت طيراتك وغباك من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens avant tout à remercier donc la mosquée Al-Fath qui nous a toujours habitués à nous recevoir et à nous accueillir avec beaucoup d'honneur. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jal récompense les responsables de cette mosquée. Et également, mes remerciements vont également vers les frères responsables du local des jeunes qui se sont chargés, occupés d'organiser ce colloque, cette rencontre qui est consacrée à cette thématique qui, mashallah, je ne m'attendais pas à ce nombre assez étonnant de participants, surtout en pleine semaine. Mais je pense que notre frère Ilyas nous a donné une très bonne leçon de marketing. Victims of Love, ça a l'air d'attirer beaucoup de monde. Alhamdulillah, tant que c'est pour la bonne cause, c'est ça l'essentiel. Me concernant, je souhaiterais m'arrêter avec vous auprès du titre ou du thème qui m'a été donc remis à travers ce temps qui m'est imparti. Et comme vous le savez, l'intervention va tourner autour et va se centrer surtout autour de ce que l'on appelle l'amour aveugle, donc un péché du cœur. Alors il serait intéressant pour commencer de définir les différentes composantes de ce titre, de cet intitulé, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. De quoi parlons-nous exactement? Pour commencer, lorsque nous parlons de al-mahabba, l'amour, al-mahabba, l'amour, comme nous l'a très bien souligné l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, elle regroupe plusieurs significations sur un plan linguistique. Je ne vais pas les citer toutes, je n'en citerai d'ailleurs que trois. Et vous verrez que ces trois ces trois origines linguistiques du mot mahabba, amour, nous conduisent vers une définition pour laquelle nous avons opté. Et il y a avant tout ce qu'on appelle as-safa. Al-mahabba, c'est as-safa, c'est la pureté. C'est aussi al-ghalayan. Al-ghalayan, c'est le bouillonnement. Et troisièmement, c'est al-luzum wa thabat. C'est le fait de rester donc raffermi, de rester fixé sur une chose. Et à partir donc de ces trois significations linguistiques, nous pouvons dégager une définition qui nous paraît la plus inch'Allah probante quant à cette thématique, c'est de dire que al-mahabba, c'est at-ta'alluq bil-mahboub, bil-kulliya. C'est s'attacher à une chose ou à une personne bien aimée d'une façon complète et intégrale. Et lorsqu'on dit complète et intégrale, cela inclut la notion de as-safa, pureté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'obstacle entre toi et cette chose ou cette personne que tu aimes. Aussi, entre dans cette définition, al-hayajan bi-dhikri. C'est que tu te sens dans un état d'extase. Lorsqu'on te cite, lorsqu'on t'évoque cette chose ou cette personne que tu aimes,
Tu aimes entendre ces nouvelles, tu aimes rechercher et convoiter absolument cette chose ou cette personne à laquelle tu es accroché. Et enfin, donc, al-wafa ou lahu bil khidma, c'est rester fidèle à ce bien-aimé, quel qu'il soit. Tu restes attaché fidèlement. Tu te mets à son service à travers tes réactions, à travers tes pensées, à travers tes comportements. Et comme vous pouvez le remarquer, cette dernière partie de la définition, donc, al-wafa bil khidma, la fidélité par le service, par le fait de se mettre à la disponibilité de cette chose aimée, eh bien, elle regroupe quelque part cette signification linguistique qui est al-luzum wa thabat, c'est le fait d'être raffermi. La fidélité d'une personne, c'est le fait d'être raffermi, d'être fixé envers quelqu'un d'autre, quel qu'il soit. Il faut savoir que l'amour ne devient aveugle. Maintenant, vous comprenez petit à petit la direction que nous prenons pour définir donc cette thématique. L'amour ne devient aveugle qu'à partir du moment où la passion, retenez ce que je vais dire, la passion l'emporte sur la raison. Lorsque la passion l'emporte sur la raison, on appelle ça amour aveugle. Faut savoir ça. Alors ceux et celles qui prennent note, eh bien, qu'ils retiennent bien cela. L'amour n'atteint son point culminant, son summum, ne devient aveugle qu'à partir du moment où cette passion qu'elle dégage l'emporte sur la raison, au point de nous faire perdre ce qu'on appelle as-sawab. C'est le jugement rationnel des choses. C'est ça l'amour aveugle. Donc, on doit faire attention à ces définitions pour que vous puissiez comprendre dans quelle direction nous allons à travers ce sujet. Et lorsque nous parlons d'amour aveugle, mes honorables frères et sœurs, nous ne pouvons nous empêcher de penser à quelqu'un. Probablement, ceux et celles parmi vous qui aiment l'histoire et qui aiment surtout la littérature ont dû peut-être découvrir ce fameux quelqu'un. En fait, lorsque nous parlons d'amour aveugle, nous ne pouvons nous empêcher de penser à quelqu'un que l'on avait surnommé, retenez bien son nom, Majnoun Leila. Le fou amoureux de Leila. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup des Majani Leila aujourd'hui. Des fous amoureux de Leila, il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, vous devez certainement me demander, certainement vous allez m'interpeller en me disant, mais qui est-ce cette personne, ce dénommant qu'on a qualifié de Majnun Leila, donc le fou amoureux de Leila. En fait, Majnun Leila, ce fou amoureux de Leila, cela nous renvoie à ce qualificatif s'applique à une personne qui s'appelait donc Qais ibn al-Mulawwah. C'était un poète. Il a vécu à l'époque omeyyade de la dynastie omeyyade. C'est un grand poète. Mais malheureusement, sa poésie était surtout imprégnée par des vers poétiques qu'il écrivait sur l'amour, al-Mahabba. Et il a connu une jeune femme. Bon, certains disent que cette jeune femme, c'est sa cousine. D'autres disent que c'est quelqu'un d'autre. Peu importe, là n'est pas le problème. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est attaché à une jeune femme au point que son cœur regardait le danger. C'est là que vous allez comprendre donc l'amour aveugle. Au point que son cœur est devenu esclave de cette femme. Le matin, il pense à elle. La journée, il pense à elle. Et le soir, il pense à elle. Au point qu'il s'est mis à écrire plusieurs poèmes à son sujet. Il a écrit pas mal de poésie concernant cette femme, où il vante ses mérites, où il la met en évidence, où il lui fait part de ses éloges, etc. Bref, il a sombré dans cet amour aveugle qui lui a fait perdre son jugement rationnel des choses. C'est ça le danger. Et pour terminer rapidement le récit de cet homme, Qais ibn Mulawwah, qui est tombé amoureux, je vous rappelle, de cette femme, et depuis lors on l'a surnommé Majnoun Leila, donc le fou amoureux de Leila. Si seulement ça s'arrêtait à ça. Les parents de la fille ont remarqué qu'il y avait un jeune homme qui tournait autour de leur fille et qui était fou amoureux d'elle, qui n'est autre que notre personnage. C'est là que les parents ont décidé de marier leur fille. Alors, en mariant leur fille, ils ont fait ce qu'ils ne voulaient pas, lui.
c'est qu'ils l'ont fait souffrir. Alors il a sombré dans la dépression, il est tombé très bas, il a même écrit des poèmes, des vers poétiques. Donc il a même écrit des vers poétiques où il parlait de sa souffrance, de son attachement à cette jeune femme. Et au bout de plusieurs années, cette femme est décédée. Et disons-le en passant, elle aussi est amoureuse de ce jeune homme. Elle est décédée. Et depuis lors, il lui est tombé gravement malade au fait de savoir que cette femme qu'il aimait tant est morte. Sa bien-aimée est décédée. Vous voyez l'histoire de Roméo et Juliette? Eh ben, malheureusement, chez les musulmans, je dis chez les musulmans, hein, donc, je dirais même chez Ahlul Ghafla, chez les gens de l'insouciance, on a aussi l'équivalent. Donc eux, ils ont Roméo et Juliette, nous on a Majnoun Layla. Et donc, à la fin de ses jours, il a perdu sa raison. Il est devenu fou. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, sa raison d'être n'existe plus. Donc son amour s'est brisé complètement. Et je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, ce phénomène, nous le retrouvons chez beaucoup de nos jeunes, filles et garçons. Beaucoup de nos jeunes, à des degrés divers, ont ce problème-là aussi. Et c'est comme ça qu'on comprend la sagesse de l'islam qui interdit, d'une façon formelle, d'une façon stricte, qui interdit la fréquentation hors mariage. Aujourd'hui, certains jeunes vous disent « Ouais, mais comment voulez-vous que je la connaisse ?» Il faut bien que je la fréquente un peu, que je la rencontre un peu. Alors, bon, il va habiller ça de, entre guillemets, d'un habit islamique. Nous, on se voit dans un lieu public, on se regarde l'un l'autre. Et puis, vous connaissez l'expression, c'est d'abord un petit sourire, puis un petit clin d'œil. Puis après, c'est un rendez-vous. Le rendez-vous, évidemment, aujourd'hui, c'est via le chatage, dont l'un d'entre eux a surnommé le chatalisme. C'est aussi les SMS également. Et voilà, Dawalek. Et ainsi de suite, petit à petit, c'est les rencontres. Et puis après les rencontres, il y a trois petits points. Il y a un rideau qu'on n'ose pas lever parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Et donc, regardez ce qui est arrivé à ce jeune homme, Qais ibn Mulawah, qui est tombé gravement malade, victime de son amour, un amour qui n'était malheureusement pas conforme aux enseignements de l'islam. Et il a perdu sa raison donc à la fin de ses jours et il est même décédé donc à cause de cela. Alors il y a ici une invitation qui est faite à nos jeunes garçons et filles de savoir que al khayr kullu al khayr fi ittiba' hadi al mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le bien, tout le bien se situe et figure dans le suivi des enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces fréquentations hors mariage ne conduisent nulle part, si ce n'est au désarroi. Et ça, on va y arriver, donc on va voir ça plus tard, Inch'Allah, donc si tout va bien. Lorsqu'on parle du cœur, parce que vous avez vu dans le titre, donc l'amour aveugle, un péché du cœur. Ben, le cœur, c'est ce réceptacle dans lequel se manifestent donc tous ces sentiments, tous ces actes du cœur, l'a'mal qalbiya, que ce soit l'amour, al-mahabba, que ce soit l'aversion, al-bourd, que ce soit l'ikhlas, la sincérité, le dévouement, que ce soit aussi al-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, al-khawf, la peur, al-raja, l'espérance. Tous ces actes de la foi n'ont de lieu où ils se manifestent que le cœur. Et l'amour aussi a pour point de départ le cœur avant de passer par d'autres canaux, comme nous allons le découvrir, Inch'Allah, donc dans quelques instants. Et bien sûr, lorsque nous disons que l'amour aveugle est un péché du cœur, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où cet amour aveugle s'empare de mon cœur, cela signifie aussi que cet amour aveugle s'empare de ma raison. Rappelez-vous l'équation que nous avons citée là tout à l'heure, la passion l'emporte sur la raison. Et ça, c'est un grand danger, ça. Lorsque la passion l'emporte sur la raison, nous perdons le sens du jugement rationnel des choses. Et vous connaissez l'expression « l'amour rend aveugle », d'où le titre « l'amour aveugle ». Et de ce fait, il faut faire attention donc, à ce niveau-là. Et c'est une maladie.
C'est une maladie qui nécessite une thérapie. Et nous découvrirons cette thérapie et quelques pistes de réflexion qui nous aideront et qui aideront nos frères et sœurs à soigner donc cette maladie qui ravage les cœurs. Et lorsqu'elle s'empare du cœur, elle nous fait oublier notre Créateur. Lorsqu'elle s'empare du cœur, elle nous fait oublier notre Créateur. Et c'est là le danger. Et lorsqu'elle nous fait oublier notre Créateur, c'est ainsi que cet amour devient un péché. N'y a-t-il pas de plus honorable et de plus beau que de se rappeler de son Créateur, qui est Allah Azzawajal, à partir du moment où tu oublies Allah Azzawajal et que tu penses beaucoup plus à cette chose ou cet être bien-aimé, à partir de ce moment-là, eh bien, tu peux te considérer dans un état de péché. Car les conséquences seront tragiques, comme nous pourrons le constater donc, dans quelques instants. Et soyez à l'évidence, et rappelez-vous qu'à l'évidence que lorsque cet amour aveugle s'empare du cœur, elle domine la raison, mais aussi elle instrumentalise nos actes et nos actions. Tous tes actes, tout ce que tu vas faire, tous tes actes seront téléguidés par cet amour. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un très grand danger. Et toutes les dérives morales et perverses qu'il y a chez l'homme a pour début cet amour aveugle pour un péché, pour une personne, pour une chose, et qui conduit cet amour aveugle à commander nos actes, à téléguider nos actes, et de ce fait, on s'adonne à des actes pervers, à des actes déviants, à des actes qui sont de l'ordre de l'immoral. Vous comprenez maintenant le lien qu'il y a entre le cœur et les actions. Si nous devions diviser l'amour, nous devions citer les. Si nous étions invités à citer les catégories de l'amour, faut rappeler que l'amour en tant que tel, l'islam ne l'a pas interdit. L'amour, c'est un sentiment naturel, humain, qu'Allah Azzawajal a soufflé dans les poitrines des hommes, dans le cœur des hommes. L'amour en soi n'est pas un sujet tabou. Et d'ailleurs, de nos jours, dans beaucoup de couples, et ça c'est dû surtout à notre éducation, dans beaucoup de couples, surtout les jeunes couples, je ne parle pas de nos parents, dans beaucoup de jeunes couples, eh bien il est rare de voir que l'époux et l'épouse s'échangent donc des mots affectifs. C'est rare. C'est rare pourquoi? Parce que tout simplement, c'est triste à le dire, mais cela ne fait pas partie de notre culture. Je ne dis pas culture musulmane, culture propre à nos pays d'origine et à nos sociétés d'origine. Parce qu'on n'a pas vu ça lorsque nous avons grandi, nous n'avons pas vu ça dans nos familles. Et certains même en sont venus à penser que le fait d'afficher son affection pour son proche, pour son épouse ou pour son époux, ils disent, oui, ça c'est désolé, mais ça c'est ressembler aux non-musulmans. Vous imaginez l'épouse qui dit à son mari, voilà, je t'aime. Il a de grands yeux. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Sûrement qu'elle veut gratter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle recherche? Le contraire, non. Le contraire ne se passera pas. Si c'est le mari qui fait part de ses sentiments à son épouse, la femme ne réagira jamais. Pourquoi? Parce que la femme, elle est toujours en attente de sentiments. Elle veut être comblée. D'ailleurs, excusez-moi, il y avait un frère qui disait un jour, il dit, je sais comment faire en sorte que mon épouse me laisse tranquille. Il me dit, je la comble d'affection, je lui fais une overdose. Donc, tu es très belle, tu es charmante, je t'aime, tu es la meilleure femme, il n'y a pas plus mieux que toi, etc. Bref, il la comble de belles paroles. Et il dit, toute la semaine, je suis bien. Elle me laisse tranquille. Elle fait pas de commentaires, elle n'a pas de critiques à faire. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un nuage.
Bon, on dira à ce frère et à d'autres, restons un peu plus sereins, faisons en sorte que ce sentiment soit beaucoup plus naturel et que ce sentiment ne soit pas un sentiment qui émane d'un calcul ou d'un esprit calculateur. Faisons en sorte que c'est un sentiment tout à fait naturel. D'ailleurs, le prophète, parlant de sentiments naturels, le prophète, on l'a interrogé, on lui a dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il n'a pas dit Hshuma, ça se dit pas comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas bien ce que tu dis. Il a dit Aïcha. Aïcha. Parmi les femmes. Wa min al-rijal. Et parmi les hommes. Abaha, son père, Abu Bakr. Regardez, le meilleur des hommes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il manifeste ses sentiments envers donc son épouse et ne le cache pas. Alors ici, nous, on a un problème par rapport à ça, c'est que de par notre éducation, de par le milieu donc socio-familial dans lequel nous avons grandi et évolué, on n'a jamais vu nos parents, bon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur éducation, on n'a jamais vu nos parents s'échanger donc des mots affectifs. On les a vus se taquiner entre eux, oui, ça existe, mais des mots affectifs, non. Alors nous, on a grandi dans ce moule, on était formé dans ce moule, et de telle sorte que demain, lorsque le jeune marié, Mohammed maintenant est marié avec Fatima, eh bien, lorsque Mohammed dit ça à son épouse, bon, l'épouse, elle attend que ça c'est connu, mais l'inverse, lorsque c'est l'épouse qui dit ça à son mari, le mari se dit, tiens, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors c'est ça le problème. On doit revenir à la source pour découvrir que al-mahabba, l'amour, c'est un sentiment naturel, tout à fait humain, qu'Allah Azzawajal a accordé, a soufflé à l'homme, donc dans son cœur et sa poitrine. Et nous pouvons, d'une façon générale, classer l'amour en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle al-mahabba al-wajiba, l'amour obligatoire. Et l'amour obligatoire, c'est pour Allah Azzawajal et son messager. Ça, je pense que là-dessus, on est d'accord. D'ailleurs, nous avons un verset qui nous sert de référence dans la sourate Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa dit: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim." Dites, si vraiment vous prétendez aimer Allah Azza wa, suivez-moi. Donc suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukum Allah, Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, il vous pardonnera vos péchés, wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Très important. La deuxième catégorie concernant l'amour, al-mahabba, ce sentiment naturel, c'est ce qu'on appelle al-mahabba al-tabi'iyya. C'est l'amour naturel. C'est l'amour de l'époux envers son épouse et vice-versa. C'est l'amour des parents envers leurs enfants et vice-versa. C'est l'amour d'un élève envers son professeur et vice-versa. Et aussi l'amour fraternel, bien que l'amour fraternel constitue donc le degré supérieur de cet amour parce qu'il part de la foi. Comme nous le relate donc maintes traditions en la matière. Et aussi, fait partie de l'amour naturel, ton amour pour les choses. T'aimes bien tel aliment, telle boisson, tel vêtement. Eh bien, ça fait partie de l'amour naturel. Et nous avons al-mahabba al-muharrama, l'amour interdit. Et l'amour interdit, c'est l'amour de toute chose qui déplaît à Allah Azzawajal, ou l'amour de toute chose qui dépasse celle d'Allah Azzawajal. Tenez compte de ces deux paramètres. L'amour interdit, c'est l'amour de toute chose qui déplaît ou de toute personne qui déplaît à Allah Azzawajal, et c'est aussi l'amour de toute chose ou de toute personne qui dépasse l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ce sont deux paramètres très importants à souligner quand nous parlons de l'amour interdit. Donc toute chose que tu aimes et qu'Allah n'aime pas, ben, cet amour-là est interdit. Et toute chose que tu aimes et qu'Allah Azzawajal apprécie, mais tu lui donnes trop d'importance, et tu fais en sorte que cet amour dépasse celui que tu dois avoir envers ton Créateur, eh bien là, c'est clair qu'il s'agit ici donc d'un amour qui est donc interdit. En tout cas, je m'excuse, hein, parce que j'ai toujours l'habitude, dans mes conférences, d'être assez académique. De temps en temps, je cite quelques faits anecdotiques, question de décontracter un peu l'ambiance. Mais en tout cas, j'aime beaucoup voir ceux et celles qui prennent note. Car, comme le dit l'expression, elle dit,
العلم صيد وكتابته قيد. La science, le savoir, c'est comme la pêche. Et al-qayd, c'est l'hameçon que tu utilises ou la canne à pêche que tu utilises pour pêcher ce que tu retires comme chose bénéfique dans tout ce que nous disons. Accrochez-vous bien, hein. Maintenant, nous avons donc les trois catégories de l'amour. Qui sait me les rappeler? Cher frère? Al-mahabba al-wajiba, obligatoire, oui. Al-mahabba al-tabi'iyya, donc l'amour naturel. Barakallahu fik aussi, cher frère. Et al-mahabba al-muharrama, donc l'amour interdit. Pourquoi? Parce qu'il outrepasse donc certaines limites. Et comment pouvons-nous définir qu'un amour est prohibé, est interdit? Qui sait me citer les deux paramètres? Qui sait me citer les deux paramètres? Ça déplaît à Dieu. Lorsqu'il dépasse l'amour. Voilà, ça déplaît. Quand nous avons un amour pour une chose ou pour une personne, et que cet amour déplaît à Allah Azzawajal, très bien, cher frère, ou alors? Lorsqu'il dépasse l'amour qu'on doit avoir à Allah. Voilà, barakallahu fik. Ou alors, lorsque cet amour que nous avons pour une chose ou pour une personne qui ne déplaît pas à Allah Azzawajal, ou qui ne déplaise pas à Allah Azzawajal, mais nous donnons trop d'importance à cet amour au point que nous dépassons celui que nous sommes censés réserver à Allah Azzawajal. Très bien. Maintenant, il faut vous accrocher parce qu'il y a autre chose qui vient, qui est un peu plus corsée que ce que nous venons de citer là maintenant. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous cite les degrés de l'amour. Et il nous dit que ces degrés de l'amour sont au nombre de 10. Je vais me dire pourquoi je suis venu à cette conférence. C'est plus une conférence, c'est un cours. Vous voulez suivre avec moi le parcours que nous propose, l'itinéraire que nous propose Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants? Allez, bismillah. Premièrement, le premier degré qu'il a cité, c'est ce qu'on appelle al-alaqa, l'attachement. C'est le cœur qui est attaché à cette chose ou à cette personne. Le deuxième, c'est al-irada, le désir, parce que ce cœur désire cette chose ou cette personne. Donc je rappelle al-alaqa, l'attachement, al-irada, le désir. Aussi as-sababa, le tendre amour. Et à la base, as-sababa, c'est quoi? À la base, c'est un débordement. C'est comme quand la pluie tombe d'une façon intense. L'eau déborde sur la terre, on appelle ça sababa. Et ici, de quoi s'agit-il par rapport à cet amour? C'est un amour qui déborde donc sur le cœur et qui fait que le détenteur ou le possesseur de ce cœur ne le contrôle plus. Tu ne contrôles plus tes sentiments. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Vous avez aussi al-gharam, la passion. Et en arabe, d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un récit romantique, on dit Qissatun gharamiya. Qissatun gharamiya. Quand on parle de récit romantique. Qissatun gharamiya. Donc, al-gharam, c'est la passion. Le cinquième, c'est el-widad, l'affection. Le sixième, c'est ce qu'on appelle el-sharaf. El-sharaf, c'est l'amour éperdu. El-sharaf, c'est l'amour éperdu. À la base du mot sharaf, c'est quoi en arabe? Al-sharaf, c'est un tissu qui couvre le cœur. Mais ton amour a percé ce tissu et a pénétré le cœur et s'y est installé solidement. C'est ça, l'amour est perdu. Et vous avez al-ishq. Al-ishq, c'est très dangereux. Al-ishq, c'est ce qu'on appelle l'amour pathétique. Al-ishq, c'est une maladie. Et souvent, l'ishq, on dit, comme le souligne l'imam Ibn al-Qayyim dans un autre livre à lui qui s'appelle Rawdatul Muhibbin, donc le jardin des bien-aimés, il appelle cela, il dit, ishq al-suwar, l'amour avec folie des images. Tu deviens esclave d'images. Et on va y revenir après, Inch'Allah. Et puis, vous avez aussi, huitième, at-tatayyum, qui est donc l'adoration et la soumission, et ça c'est propre à Allah Azzawajal bien sûr, al-ta'abbud, l'adoration, et ensuite al-khulla. Al-khulla, c'est l'amitié intime. Et d'ailleurs, le prophète Ibrahim,
Comment le surnomme-t-on? Khalil, ben ça vient de là, ça vient de Khulla. Al-Khulla, c'est l'ami intime. Et d'ailleurs, nous avons une tradition prophétique rapportée par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah azza wa jalla m'a choisi comme ami intime, tout comme il a choisi Ibrahim comme étant un ami intime. Et dans une autre tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'adressant à Abu Bakr, s'adressant aussi à un groupe de compagnons, il dit « Lo kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. » Si j'étais invité à choisir un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr comme ami intime. Mais Abu Bakr, c'est son sahib, c'est son ami. C'est son compagnon. Et cette amitié intime, il la réserve uniquement à Allah Azza wa Jal. Vous voyez ? Ça, ce sont les différentes catégories, ou plutôt degrés, pardon, de l'amour, tel que nous les a cités l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij al-Salikin, donc Les Sentiers des Itinérants. Et pour rappel, ce livre existe en français, Les Sentiers des Itinérants. Il était édité donc aux éditions universelles donc de France, de Paris. L'amour aveugle, mes honorables frères et sœurs, porte atteinte gravement à l'unicité, à tawhid. Parce que at-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, repose sur quoi? Repose sur ce qu'on appelle ifradullah ta'ala bil qasd wa ta'a. C'est singulariser notre attention, notre intention et aussi notre adoration, nous la singularisons, nous la réservons à Allah Azza wa Jal. Et cette ubudiyya, cette servitude qui est le plus haut degré qu'un croyant peut atteindre, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il qualifie son messager, qu'il lui fait honneur et quelque part lui fait part d'éloge, il le qualifie par ce plus beau titre qui est Abd. Subhan alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ici, Allah Azza wa Jal n'a pas dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, Subhan alladhi asra bi nabiyihi laylan. Il a dit bi abdihi. Parce que l'uboudiyya, la servitude, c'est le plus haut degré que le croyant peut atteindre. Et c'est l'équivalent de l'ihsan, quelque part. L'ihsan, c'est quand tu adores Allah comme si tu le voyais. Et comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sache que si tu ne le vois pas, lui te voit. Parce que l'ihsan a deux degrés. Il y a ce qu'on appelle, comme l'indique l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, il dit que l'ihsan, donc cette bienfaisance dans l'adoration, cette perfection, elle a deux degrés. Il y a ce qu'on appelle maqam al-mushahada, c'est la station de l'observation. Et maqam al-muraqaba, c'est la station du pressentiment d'être surveillé. Al-mushahada, c'est comme si tu voyais Allah Azza wa Jal directement. C'est le plus haut degré. I'abud Allah ka'annaka, an ta'abud Allah ka'annaka tarah. Dans le hadith Jibril. Que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le vois. Ça, c'est maqam al-mushahada. C'est le degré de ce qu'on appelle al-mushahada. C'est comme si tu vois Allah Azza wa Jal. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça, c'est le second degré. Et ce second degré, on l'appelle maqam al-muraqaba. C'est le degré où tu pressens qu'Allah Azza wa Jal surveille, qu'il est bienveillant à ton égard. Ok ? Et ça, c'est par rapport au degré, donc, à ce summum que l'on appelle la servitude de l'ubudiyya. Et cette adoration, cette servitude, repose sur deux choses. Cela repose premièrement sur ce qu'on appelle Rayatul Dhul, c'est une humilité complète, que tu te montres humble et soumis d'une façon complète à Allah Azza wa Jal. Rayatul Dhul ma'a kamal al-hubb. Que tu atteins le point culminant de ton humilité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps que tu cherches à parfaire ton amour pour lui. Les deux vont ensemble. Ok, l'ubudiyya, la servitude, l'adoration d'Allah Azza wa Jal doit reposer sur ces choses-là. Premièrement, rayatul dhul, c'est le fait de te sentir entièrement soumis dans un état d'humilité par rapport à Allah Azza wa Jal et chercher à parfaire ton amour pour lui. Et tout cela s'inscrit également dans l'ikhlas, la sincérité, accompagné de son compagnon donc inséparable, qui est al-mutaba'a, le fait d'être fidèle donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses enseignements, parce que
un amour que tu prétends vouer à Allah Azzawajal, s'il n'est pas accompagné et traduit dans des actes concrets que tu poses dans un suivi fidèle du prophète Mohammed sallam à travers ses enseignements, eh bien cet amour n'est que de la prétention. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il parle de la question de l'amour dans son livre Madarij al-Salikin, les scientifiques des itinérants, il soulève ce problème. Il soulève ce problème en disant que celui qui prétend aimer Allah Azzawajal, qu'il nous en fournisse la preuve. Et ne peut fournir la preuve de l'amour d'Allah Azzawajal que ceux et celles qui se conforment à ce verset à travers l'enseignement dont il est porteur et dont j'ai cité là tout à l'heure. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez vraiment aimer Allah Azzawajal, fattabi'uni, suivez-moi. Donc suivez le prophète. Vous aurez en échange l'amour d'Allah. Yuhibbukum Allah. Vous voyez? Donc on ne peut pas prétendre aimer Allah Azzawajal que par des belles paroles. L'amour d'Allah passe par le suivi fidèle de celui qu'il a choisi, élu pour guider l'humanité et pour guider la communauté, la Ummah, et qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disions que l'amour aveugle porte atteinte à l'unicité et tawhid, parce que normalement l'amour complet, parfait, ne peut être voué qu'à Allah Azzawajal. Et tout amour excessif que tu voues à autre qu'Allah Azzawajal a des degrés. Si cet amour te conduit à obéir d'une façon totale à ton bien-aimé, dans une obéissance qui te conduit à désobéir à ton Créateur, eh bien c'est du shirk. C'est associé à Allah Azzawajal. Et d'ailleurs, nous avons le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a des gens, Allah Azzawajal dans ce verset nous parle de ces païens, ces polythéistes, وَمِنَ النَّاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et parmi les hommes, parmi les gens, parmi ces polythéistes, مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Ils choisissent en dehors d'Allah Azzawajal des équivalents, ce qu'ils prétendent être équivalent à Allah Azzawajal. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment comme ils aiment Allah Azzawajal. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il trace directement la frontière. Il met une marge entre deux camps à la fin de ce verset. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru, ils aiment beaucoup plus Allah Azzawajal que ces prétentieux qui ont élu des divinités, de fausses divinités, alihatun batila, de fausses divinités qu'ils font donc équivaloir Allah Azzawajal. La preuve que cet amour équivalent qu'ils ont pour leur statut, pour leur divinité, quelle qu'elle soit, et c'est pas seulement des statuts, hein, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi, et qu'ils vouent également Allah Azzawajal. Nous retrouvons cela dans un autre verset d'ailleurs, qui nous confirme que ces polythéistes, certains d'entre eux ont essayé de mettre sur le même pied d'égalité leur soi-disant amour d'Allah Azzawajal et en même temps l'amour de leur divinité, quelle qu'elle soit. Dans ce verset qui est dans la sourate Shu'ara, donc la sourate les poètes, dans ce verset, Allah Azzawajal dit: Tallah, in kunna la fi dalal mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin. Nous jurons par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque, id nusawwikum bi rabbil alamin, lorsque nous vous avons rendu, vous, nos divinités, nous vous avons rendu égaux ou égal à Allah Azza wa Jalla. Vous voyez? Et bien sûr, l'égalité ici, c'est dans l'amour. Et ça, c'est très important donc à souligner. Donc, en résumé, cet amour, s'il arrive au degré que tu te soumets complètement à une chose ou à une personne, dans ton obéissance, dans ta peur, dans ton espérance, c'est du shirk, c'est de l'association. Et ça brise complètement l'unicité, at-tawhid, qui est censée être présente dans ton cœur. En revanche, si cela n'atteint pas ce degré, c'est que tu sais que seul Allah Azzawajal mérite d'être aimé complètement, mais malgré tout, tu tombes dans le piège d'aimer d'une façon aveugle autre chose ou quelqu'un d'autre,
Eh bien, ici, il y a des degrés. Ça peut passer entre celui d'un grand péché à un péché tout court. Et en tous les cas, c'est mauvais. Qu'il s'agisse d'un simple péché ou d'un grand péché, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que, comme le dit l'expression, Innamal jabalu min al-hasa. La montagne n'est faite que de cailloux. Et il en est de même pour les grands péchés. Les grands péchés, c'est quoi? Les grands péchés, c'est un amas de petits péchés qui ont donné naissance à un grand péché. Et chaque fois que tu persistes à commettre un petit péché, eh bien tu passes à un stade supérieur. Ce petit péché pour lequel tu es resté fidèle malheureusement, dont tu es devenu prisonnier esclave, il te conduit directement vers ce que l'on appelle donc le grand péché. En tous les cas, l'amour aveugle, qui est le thème de notre intervention, s'inscrit plus dans la catégorie des grands péchés et aussi des petits péchés. Comme ça, donc, vous savez un peu ce qu'il en est à ce sujet. Et le grand problème de l'amour aveugle, c'est que la personne y perd pratiquement sa conscience. La personne y perd pratiquement sa conscience. D'ailleurs, il y a un savant de l'islam qui s'appelle Ibn al-Jawzi, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Dhammul Hawa. Dhammul Hawa, c'est la condamnation de la passion. Dans ce livre, il nous cite des récits de gens dont l'amour les a emportés au point à leur faire perdre leur conscience. Ils sont devenus amnésiques. Ils sont tellement attachés à une chose aveuglément, ils savent le danger, qu'ils oublient même leurs propres intérêts, qu'ils oublient leur propre créateur. Et ça, c'est très dangereux, donc, en soi. Alors, vous devez certainement me poser la question, cet amour aveugle, cet amour aveugle qui peut envers une personne et la dominer, envers qui, envers quoi s'adresse-t-il? Ce cœur, al-qalb, qui est envahi par cet amour aveugle, cet amour que contient ce cœur, c'est envers quoi et envers qui? Alors ici, il y a plusieurs explications qui s'imposent. Nous avons avant tout cette très belle parole qui a été dite qui n'est pas une tradition prophétique, mais plutôt une parole dite par un compagnon qui s'appelle Abu Darda, rapportée par Ahmed Abu Daoud et d'autres, dans laquelle Abu Darda disait «Hubbuka shay yu'mi wa yusim». Ton amour d'une chose te rend aveugle et sourd. Et c'est vrai. Quand tu as un amour aveugle pour quelqu'un ou pour une chose, on peut te donner autant de conseils que tu veux, tu n'écouteras pas. Tu es sourd, primo. Tu verras beaucoup de situations, d'indices qui sont censés te ramener à la raison, tu ne les suivras pas. Tu es aveugle. Hubbuka shay yu'mi wa yusim. Faites attention à ça. Ça, c'est la parole d'Abu Darda, le compagnon Abu Darda. Donc, radiallahu anhu. Alors, l'amour aveugle que le cœur voue, il peut vouer cela à des divinités, comme nous l'avons dit là tout à l'heure, qui était le cas des polythéistes. Il peut vouer cela à une personne, par exemple, un homme ou une femme, qui devient donc fou amoureux d'une autre personne. Un homme fou amoureux d'une femme, et vice-versa. Fou amoureux, cela signifie que cet homme ne contrôle plus ses sentiments. Cela signifie que cet homme est dans une situation donc d'absence de conscience. Ça veut dire aussi que cette personne-là, il lui est difficile de retrouver sa raison. Et on va voir, Inch'Allah, à la fin de cette intervention, lorsque nous parlerons des méfaits de l'amour aveugle, vous verrez les dégâts qu'engendre l'amour aveugle dans nos cœurs et comment l'amour aveugle participe et concourt à corrompre nos cœurs. On ne s'en rend pas compte. Parce que comme le dit l'expression, Hubban la yajtami'ani fi qalbi rajulin wahid. Deux choses aimées ne peuvent pas se réunir dans le cœur d'un seul homme. Hubbullah wa hubbu ma'siyatih. L'amour d'Allah Azzawajal est l'amour du péché, l'amour de sa désobéissance. Autrement dit, tout ce que tu aimes et que tu sais qu'en aimant cette chose, tu vas à la contresens d'Allah Azzawajal, eh bien ici, tu tombes sous la coupe de cette expression, de ce proverbe qui dit Hubban la yajtami'ani fi qalbi rajulin wahid.
deux amours ne se réunissent pas dans le cœur d'une même personne, l'amour d'Allah Azzawajal et l'amour de sa désobéissance. Autrement dit, tu t'attaches aveuglément à quelque chose ou une chose ou une personne en déplaisant bien sûr à ton Créateur. Vous avez aussi l'amour aveugle envers les biens matériels et surtout envers l'argent, monnaie. Surtout envers l'argent, la monnaie. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde il y a très longtemps. Il y a très 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 longtemps, il nous a mis en garde. Mais on a l'impression qu'on n'a pas écouté. Nous avons l'impression de ne pas avoir écouté sa recommandation. Qu'est-ce que dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit « Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. » Périra celui qui est dans un état de servitude envers le dinar et périra celui qui est devenu esclave du dirham. Autrement dit, celui qui est devenu esclave de l'argent, il dépend de l'argent, il vit pour l'argent, il dort pour l'argent, il bouge pour l'argent, il devient esclave de cet argent, de ce bien matériel, il souffrira toute sa vie. Toute sa vie, il souffrira. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est l'une des portes par lesquelles Satan passe pour dévier l'homme d'Allah Azza wa Jal. Et je vous invite à redécouvrir le Coran, le Coran, à le reparcourir afin de découvrir ces chemins qu'Allah Azza wa Jal, contre lesquels Allah Azza wa Jal nous met en garde et par lesquels de nombreuses nations, communautés, hommes ont péri, y ont échoué. Il y a les biens matériels, al-mal. Qui était cet homme à l'époque de Pharaon qui se croyait tout permis? C'était qui? Qaroun. Comment on appelle Qaroun en français? Corée. Qu'est-ce qu'il a dit le frère? Coréon. Caron. Non, non, c'est pas Caron. C'était bien essayé. Corée. Pas la Corée du Nord ou du Sud, hein, Corée. Donc Qaroun. Qaroun, regardez ce qui lui est arrivé. Et il avait la plus grande richesse. Et il était amoureux de sa richesse. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Allah Azza wa Jal l'a englouti, lui et son palais, et toute sa richesse dans la terre. Dans la terre. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Nous l'avons englouti, lui et son palais, toute sa richesse qui est dans son palais. On l'a englouti dans la terre, il a tout perdu. Alors regardez ici, comment l'homme, encore aujourd'hui, rencontre le même problème. Quand on parle par exemple, ce qu'on appelle, c'est quoi le rêve américain? Le rêve américain, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la ruée vers l'or. C'est la même chose. Beaucoup de gens vont aux States, donc aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas, le dollar est érigé en culte. Les gens travaillent jour et nuit pour ce billet qui est le dollar, pour gagner le maximum. Parce que là-bas, c'est le libéralisme à outrance. Il n'y a pas de règles. Gagne autant que tu veux, il n'y a pas de limite. Et de ce fait, les gens... Leur grand rêve, c'est de se rendre là-bas pour pouvoir gagner le plus d'argent possible. Et c'est là qu'on a érigé cet argent, ce dollar, est devenu une divinité. Les gens adorent le dollar, les gens sont attachés à l'argent. Bien sûr, il n'y a pas que le dollar. Aujourd'hui, toutes les monnaies connaissent le même sort tragique. Alors ici, on doit faire attention par rapport à cela. Il y a premièrement les biens, al-mal, que nous cite le Coran. Deuxièmement, le pouvoir. Et troisièmement, la descendance. T'es fier de ta descendance, de ta tribu, de ta nation, et tu crois que tu es à l'abri de la colère divine, de son châtiment, de sa malédiction. Et parcourez le Coran, vous allez voir que ces trois chemins sont les trois chemins qui ont fait
qui ont été la cause de la destruction de beaucoup de nations, de la disparition de pas mal de communautés et nations qui nous ont précédés. La fierté de la race, c'est ça la descendance. Deuxièmement, l'arme économique ou financière, et troisièmement, le pouvoir. Trois choses qui ont fait périr l'homme. Alors ici, idem, à partir du moment où tu es attaché, tu as un amour aveugle pour l'argent, il te fera souffrir, et tu en deviendras tout simplement l'esclave, comme l'a dit le prophète sallam, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Également, le fait d'être attaché à un péché. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le vice. Être attaché à un péché. T'es un vice. En fait, sans le vouloir, tu es tombé. C'est subtil. Tu es tombé amoureux d'une façon aveugle d'un péché. Tu t'y attaches et tu ne veux pas le lâcher. Et tu sais que c'est pas bien. Mais c'est parce que ce péché-là te procure un certain plaisir. Aussi provisoire et aussi éphémère soit-il. Que ce soit la drogue ou n'importe quel autre vice qui ravage notre jeunesse. Et d'ailleurs, subhanallah, je n'oublierai pas le récit d'un jeune, ici à Bruxelles d'ailleurs. Quand il y a de la volonté, tout est possible. Ce jeune, il avait un vice qui le minait, le rongeait de l'intérieur. Accrochez-vous bien. Il vivait avec ce vice depuis 15 ans. Il a tout essayé pour s'en détacher. Il n'arrive pas, c'est plus fort que lui. En fait, ça le domine. Son cœur est esclave. Vous comprenez maintenant l'amour aveugle. Son cœur est esclave de ce péché. Il n'arrive plus à s'en détacher. Alors un jour, quelqu'un lui a dit, est-ce que, pourquoi n'essaierais-tu pas d'aller faire une Umrah? Alors il est parti faire la Umrah, et lui, il a envie de s'en sortir, il veut. Mais il est prisonnier de sa passion. Il est parti faire la Umrah. En partant faire la Umrah, subhanallah, lorsqu'il a vu la Kaaba en face de lui, lorsqu'il a entendu l'adhan, il s'est mis à pleurer. Et il a repris conscience de sa petitesse par rapport au Tout-Puissant qu'Allah Azzawajal. Et il a vu donc la maison d'Allah, al-Kaaba, qui est le temple le plus honoré par Allah Azzawajal. Et il s'est consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux prières, aux invocations, pendant tout son séjour. Il était en fait en face de la Kaaba. La plupart du temps, il priait en face de la Kaaba. Et à son retour de son voyage, lorsqu'il est revenu ici, il avait peur que le lendemain, comme on dit, chasse le naturel, revient au galop. Il avait peur que le lendemain, il retombe de nouveau dans son vice et que tous ses acquis spirituels qu'il a obtenus durant son séjour, son périple, là-bas, donc à la Mecque, durant la Umrah, que tout parte en éclat. Eh bien, regardez, subhanallah, ce frère raconte, accrochez-vous bien, 15 ans de dépendance. C'est comme une drogue ce qu'il avait. Le lendemain de son voyage, il dit, je n'ai même plus de pensée pour ça. Cela ne me dit plus rien. Comme si ce péché, ce vice dont il était esclave n'avait jamais existé. Et c'est comme ça qu'Allah Azzawajal, là, avec grâce à Allah avant tout, ensuite grâce à sa sincérité, al-ikhlas, al-sitr, cette véridicité qu'il y avait dans son cœur, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé à se détacher de ce vice. Ça s'est fait automatiquement. Terminé. Il n'y pense plus. Ça ne lui vient même plus à l'esprit de commettre ce qu'il commettait. Vous voyez? Donc, on peut être quelquefois esclave donc d'un vice et d'un péché. Et aussi, parmi les catégories, si vous voulez, de ces choses pour lesquelles nous devenons esclaves et pour lesquelles nous vouons cet amour aveugle, il y a aussi l'image. Et Dieu seul sait, dans cette société dans laquelle nous vivons, ce que représente l'image. L'image est devenue un culte aujourd'hui. Les gens voient un culte pour l'image. Et on devient esclave de l'image. L'image nous envahit. Même dans l'après, quand tu pries, tu as des images qui te viennent. Nous sommes envahis par les publicités, par le multimédia, qu'il s'agisse de la télévision, de l'internet, des portables. Bref,
Les images nous envahissent à tout coin de rue, dans toutes nos situations pratiquement. Et si nous ne demandons pas à Allah Azzawajal de nous préserver, nous tombons esclaves de ces images. Et c'est ça le danger. Le péché commence toujours par une idée, par une pensée, pardon. Comme l'indique très bien donc, l'imam Ibn al-Qayyim, et je vais vous citer d'ailleurs sa parole maintenant, car l'image, c'est à la base, l'image est à la base de la corruption du cœur. Écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim, il dit « Les péchés et turpitudes que nous commettons commencent toujours par des mauvaises pensées, qui deviennent ensuite des idées conçues. Elles passent ensuite par le stade du rappel nostalgique. » Tu as une idée qui te traverse, tu as une image derrière, et ça te rappelle. Ok ? Donc elle passe ensuite par le stade de rappel nostalgique pour se traduire par une volonté et pour épouser en dernier lieu la forme d'une action. En fait, ça ne reste pas au stade. Cela ne reste pas au stade de simple pensée, khawatir. Cela se transforme en volonté. Cette volonté te dicte une conduite. Et c'est comme ça que tu vas commencer à mettre à exécution ce que tes trois ennemis te dictent de faire, comme l'indique l'imam Ibn al-Qayyim. Les trois ennemis, c'est ton ego, al-nafs, ta passion, al-hawa, et shaitan. Tous les trois, lorsqu'ils se mettent ensemble contre toi, ils instrumentalisent tes membres et tes actions et tu mets à exécution ce qui est dans tes pensées. Az-zina, la fornication ou l'adultère, c'est pas tomber sur une personne comme ça brusquement. Ça commence par le regard, par l'image. Petit à petit, cette image se cultive. Il y a un amour qui se crée. Et petit à petit, ça prend forme et ça se traduit après par un pas qu'on franchit et on tombe dans ce péché donc irréparable. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'islam invite le croyant à baisser son regard, à faire preuve de décence au niveau de son regard, car c'est grâce à la décence de son regard qu'il peut préserver sa conscience et son cœur de la corruption. Et c'est pour ça que certains disaient « An-navaru baridu zina ». An-navar, le regard, c'est le facteur qui conduit directement vers donc la fornication. Ça commence toujours par une image, par un regard, qui te projette dans cette image, et celle-ci est comme un champ, ça se cultive. Et la suite, vous connaissez. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, il nous dit, dans une tradition rapportée par le Bukhari Muslim, Allah a inscrit au fils d'Adam sa part de fornication ou d'adultère qu'il commettra inéluctablement. D'une des façons suivantes, la fornication ou l'adultère des yeux. Les yeux et le regard. Et qui est le regard lascif, sensuel et voluptueux. Vous voyez ce que fait l'image. Et la plupart des péchés dont le cœur devient esclave démarrent souvent par l'image, par une passion pour une chose ou pour un être. J'arrive vers la fin de cette intervention. Je voudrais parler très rapidement maintenant parce que je vois qu'il laisse m'envoyer un message en me disant que c'est bientôt la fin. C'est comme ça, hein, donc il faut se plier aux consignes du commandant à bord. Ou sinon nous sommes éjectés du bateau, tout simplement. Alors comment soigner cette maladie? Vous savez, je vais vous dire une chose, dans la plupart des cas, nous nous trompons de diagnostic. Quand quelqu'un vient vous dire « je suis malade, mon cœur est malade », bien sûr qu'on dit « malade », c'est pas qu'il a un problème cardiaque. C'est qu'il a une maladie du cœur, il a un vice qui l'envahit. Nous, souvent, nous lui disons « tu dois craindre Allah Azza wa Jal, tu dois te repentir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Mais en faisant cela, on lui propose un remède, mais on ne lui propose pas une thérapie. Parce que chasse naturelle revient au galop. Et c'est pour cette raison qu'il faut procéder à une étude de ce qu'on appelle la genèse, l'histoire de ce garçon, de ce frère, de cette sœur. Comment cette personne en est-elle arrivée à devenir esclave d'un péché, à tomber dans cet amour aveugle pour ce péché, pour ce vice quel qu'il soit? Il y a une histoire derrière, toute histoire a un début. Et c'est pour cette raison qu'on se trompe souvent. Et cette méthode pédagogique doit être absolument reprise en main par les prédicateurs, par les pédagogues, par les éducateurs, par les professeurs, lorsqu'ils sont confrontés à un jeune garçon ou fille qui souffre d'un vice ou d'un péché qui l'a rendu esclave de celui-ci. Eh bien, on s'arrête souvent à des conseils bénéfiques, certes,
mais on ne s'attaque pas à la racine du problème. Normalement, on doit lui proposer une thérapie. La thérapie passe par une exploration de son historique, de son passé. Et d'ailleurs, l'imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah, nous parlait justement de ça. Il nous disait qu'il y a différents milieux qui agissent sur l'individu, qui formatent ses conduites, ses comportements, son tempérament, ses attitudes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est lorsque vous vous attaquez à un fruit qui est pourri, vous le coupez, il va repousser de la même manière. Parce que les racines de l'arbre, elles, sont corrompues. Tu n'as pas attaqué les racines de l'arbre, tu as attaqué le fruit. Il ne suffit pas de le couper, il ne suffit pas de le bloquer, de l'empêcher de pousser à nouveau, il repoussera d'une autre manière, que tu le veuilles ou non. Il faut revenir à son histoire. Il faut procéder à une analyse de cet environnement, al-bi'a, al-muhit, dans lequel ce jeune garçon ou fille a évolué. Ce n'est que de cette manière que tu vas trouver des solutions, que tu vas aider cette personne à retrouver le bon chemin. D'ailleurs, on a la preuve de cela dans ce récit que nous rapporte le professeur Sallam concernant cet homme qui a tué 99, et par respect pour les frères qui sont venus de France, qui sont avec nous, 99, donc âmes. 99, 99 âmes. Alors cet homme s'est présenté, il a dit, indiquez-moi la personne la plus savante sur terre. On lui a dit, va chez un tel. Et ce un tel, c'était un moine. Alors il est venu nous voir, je lui ai dit, voilà, j'ai tué 99, 99 âmes. Comment faire pour m'en sortir? Halli min toba, ai-je un repentir possible? Il dit, non, t'as pas de repentir. Alors, dans un état de désespoir, qu'est-ce qu'il fait? Il tue ce moine aussi. C'est bon, il a complété son quota, 100 personnes. Son palmarès est complet, 100 personnes. Ensuite, il est dans le désarroi. Il demande, il dit, mais indiquez-moi quelqu'un qui est savant. On lui dit, va chez un tel, c'est un savant. Effectivement, c'est un savant. Et lorsqu'il va chez cette personne lui dit, quitte ce territoire. Ce territoire est un territoire de corruption. Et rends-toi à tel territoire, là-bas, il y a des gens pieux et vertueux qui adorent Allah Azzawajal. Fa'budillaha ma'ahum. Adore Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Regardez ici comment ce savant tient compte de l'environnement qui a corrompu ce jeune, qui a corrompu cet homme, cet assassin. Et la seule manière de se libérer, de s'affranchir, ce n'est pas seulement de lui dire crains Allah Azzawajal, fais ceci, fais cela, c'est aussi de l'inviter à s'affranchir, à l'in'itaq, à s'affranchir de cet environnement corrompu qu'il a corrompu également. Mais ça ne suffit pas. Parce que quelquefois aussi, il y a, je vais les citer rapidement, il y a aussi d'autres milieux, la famille aussi. La famille, c'est la première entité sociale dans laquelle évolue l'individu. Je me souviens d'un cas que j'ai traité, c'est le cas d'un couple. Et dans ce couple, la sœur se plaignait que son mari, non seulement il boit, mais il est infidèle. Il la trompe tout le temps. Alors, en creusant un peu avec ce frère, parce qu'il a le courage de venir, en fait, il ne fait que reproduire le schéma qu'il a vu et observé durant son enfance. Son père buvait aussi, et son père trompait aussi sa mère. Alors, il n'a fait que suivre l'exemple de son père. Il a emboîté le pas à son père. Vous voyez comment la famille joue un très grand rôle. L'entité sociale première de la société qu'est la famille, elle joue un très grand rôle. Si on n'essaie pas de vacciner, d'immuniser ses enfants dès le début, à travers des parents qui doivent être des modèles référencés pour leurs enfants, à travers la piété, au point que l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, utilise l'expression de hijab. Ils disent, essayons de mettre un voile, certes pas réel mais figuré, un voile entre l'enfant et le péché. Si on met ce voile, si on lui apprend à rester dans un milieu plus ou moins sain, eh bien cet enfant-là grandira avec une certaine base de piété. Mais si cet enfant, à la maison déjà, il voit qu'il y a corruption des mœurs, qu'il y a dégradation morale. Je prends un exemple. L'islam invite à la décence vestimentaire. Quand la jeune fille qui atteint la puberté, elle se promène à la maison devant ses frères, des garçons qui eux aussi sont pubères maintenant. Ils ont aussi des tentations, ils ont aussi un instinct. Elle passe devant eux avec des vêtements
qui sont pas très décents en soi, parce que j'ai dit, ce ne sont que mes frères, je ne suis qu'à la maison. Ben, c'est ça l'erreur. Et après, on s'étonne qu'on a affaire à des viols dans des familles, à l'inceste aussi. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est l'expression de fumée sans feu, c'est ça? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y a certains drames dans les familles. Il ne suffit pas de condamner, de dire, voilà, il faut faire ceci, cela. Encore faut-il voir ce que fait la famille à ce niveau-là. Regardez, l'imam al-Ghazali, il va même jusqu'à dire que la femme qui va allaiter l'enfant, un enfant, elle doit être pieuse. Il va jusque-là. Pourquoi? Parce que la piété de cette femme, du fait qu'elle fait attention, même à sa nourriture, elle dit, « An yakuna rizquha halal, ta'amuha halal. » Il dit ça, ça va jouer un grand rôle dans ce lait qu'elle va donner à son enfant. Parce que Allah Azza wa Jalla n'apporte aucune baraka, aucune bénédiction dans un moyen de subsistance qui est illicite. Et de ce fait, il y a des répercussions donc à ce niveau-là. Et pour terminer, Inch'Allah, par rapport à ce point concernant l'environnement qui joue donc un très grand rôle, nous sommes tous influencés et nous influençons tous aussi l'environnement donc qui nous entoure. Comme le disait l'imam Ibn Khaldun, il disait « Al-insan madaniyun bit-tab'a » L'homme est sociable par nature. On influence les autres et on se fait aussi influencer. Donc on parle souvent de facteurs inhérents à l'individu par rapport à cet amour aveugle qu'il envahit, à ce vice. Tout vice qui nous touche, toute maladie d'esclavage par rapport à un péché qui nous frappe, ne vient pas de nulle part. Il y a un environnement qui n'est pas très sain, que ce soit l'école, la rue, ou les images comme nous avons vu là tout à l'heure, qui quelque part concourt à créer donc cet amour aveugle qui tue le cœur et l'empêche de se consacrer à son Créateur subhanahu wa ta'ala. Alors, mes honorables frères et sœurs, en découvrant la genèse, l'histoire de ce jeune, son parcours, on peut mieux adapter le traitement et la guérison, inshallah. Et je terminerai par deux petits points très rapides, parce que je sais que notre frère est impatient que j'arrête. Je comprends, mais bon, je dois quand même aussi terminer mon sujet, s'il me le permet, inshallah, très vite. L'imam Ibn al-Qayyim nous parle du remède à cette maladie mortelle qui est l'ishq, ici l'amour aveugle. Il dit le remède, ou plutôt cette maladie mortelle qui tue le cœur, provient souvent et est issue du fait que le serviteur ne connaît pas son Créateur. Que le cœur, al-qalb, est dans un état d'insouciance par rapport à son Créateur. Et c'est pour cette raison qu'il invite le serviteur, al-abd, la victime de cet amour aveugle, à se réconcilier avec Allah Azza wa Jalla, à apprendre à mieux le connaître, à travers ses signes, à travers ses noms et attributs. Et comme le disait dans un autre passage l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que l'individu, s'il est tenté de commettre un péché, eh bien, si ce n'est pas la crainte d'Allah qui le retient, la crainte révérentielle et le taqwa, ce sera al-haya, la pudeur, de se dire, mais après tout, Allah est en train de m'observer. Ça, c'est le minimum qui peut le retenir pour ne pas tomber dans ce péché-là. Voyez-vous? Et donc, il invite le croyant à connaître Allah Azza wa Jal et à se consacrer à ce qu'il a appelé al-ibadat, al-zahira wal-batina, les adorations, donc, extérieur et intérieur à l'individu. Extérieur, c'est la prière, c'est le jeûne. Et intérieur, c'est le dhikr. Travailler sa langue par le rappel d'Allah Azza wa Jalla, par le sirfa, la demande de pardon, etc. Par la pensée à Allah Azza wa Jalla, penser à sa création, penser à ses signes. Tout ça va préoccuper l'individu, va l'empêcher de penser à ce péché et va l'aider à se libérer donc de ce vice, Inch'Allah. Et je termine, Inch'Allah, par très rapidement, je vais les citer pêle-mêle, hein, par les méfaits de cet amour aveugle. Premièrement, la dureté du cœur, qasatul qalb. Pourquoi? Parce que le cœur est imprimé par l'insouciance. Tu ne penses plus à Allah Azza wa Jalla. Tu ne penses qu'à ce vice. Tu ne penses qu'à ces images qui t'envahissent. Tu ne penses qu'à ce péché. Tu ne penses qu'à cette personne ou qu'à cette chose qui a fait de toi ou de ton cœur un esclave. Et ton cœur devient dur. Aussi, tu deviens esclave de tes passions. Ce sont tes passions, shahawat, tes envies qui te téléguident dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, et ça c'est en soi assez grave, au niveau de tes pensées, au niveau de ta volonté et de tes actions, sans parler de la corruption de ton comportement. Aussi, celui qui adore, celui qui aime d'une façon excessive autre qu'Allah Azza wa Jal, souffrira de cet amour. Alors que l'amour excessif envers Allah n'existe pas parce que c'est un amour parfait.
Mais l'amour envers toute chose qui est éphémère dans ce bas monde fait souffrir l'individu. Quatrièmement, cet amour aveugle génère chez l'individu l'instabilité et le désarroi. Il suffit que cette personne pour laquelle tu attaches aveuglément se retourne contre toi, te lâche. Il suffit que tu perdes cette chose, cet argent ou ce bien pour que tu sombres dans un désarroi et dans la déprime. Et pour terminer, l'amour aveugle, mes honorables frères et sœurs, gâche et corrompt ta foi, mais aussi ton bas monde. Et il y a des gens qui ont arrêté de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement attachés à un vice ou tellement amoureux d'une personne que même leur vie au quotidien devient chaotique. Parce que toute sa volonté, tous ses efforts, toutes ses pensées ne vont plus vers quelque chose de bénéfique pour sa foi, sa prière, son travail, ses relations familiales. Il est entièrement attaché à ce bien-aimé, quel qu'il soit, et il perd le sens des priorités. Et c'est ainsi que je termine cette intervention. Et je remercie une fois de plus tous mes frères et sœurs pour leur patience, et surtout le modérateur de cette intervention, notre frère Elias, pour sa généreuse patience. Et barakallahu fik, wa jazakum Allah khairan, wallahu ta'ala a'lam ahkam, wa shukran lakum.